Regardez les filles, ils font les pains maison sortis du four. Bon les filles, on a super bien mangé, hamdoulilah. On digère un peu. Et après on va faire les exercices, on va monter les escaliers. Après avoir mangé un kebab entier, je leur ai demandé s'ils peuvent me donner un pain. Je l'ai déjà terminé, il était, c'est la taille d'un pain, un kebab. Et en fait il vient juste sortir du four les filles, il est tout chaud. Il y a encore le goût du sel. Trop trop bon. Il y aurait de la pâte à tartiner là, j'en aurais mis direct. Bon allez les filles, c'est parti, on va commencer à marcher pendant très 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 longtemps. Les escaliers, on terminera par les escaliers de quand on rentre à la maison de l'immeuble. Donc là, je vais beaucoup beaucoup marcher. Bon bah les filles, on s'est bien baladé, c'était une très très bonne journée. On va rentrer à la maison. Là les filles, on va parler skincare, il faut absolument que je vous partage cette offre en... Non, vas-y, un spectacle, vas-y, un spectacle. Des musiques douces ou des musiques fortes? Des musiques fortes. Alors je viens d'ouvrir ce colis les filles, ça c'est une nouvelle marque, vous savez que moi avant faut que je teste Néné parce qu'elle m'a pris la tête pour prendre qui les a voulu, donc les Sophia, Imen, elles sont toutes... Ça y est, il me manquait encore quelques documents, j'ai tout récupéré. Quand je serai au Maroc, Inch'Allah, je vous annoncerai mon petit projet et... Bah, du coup, il fallait que je fasse les papiers pour mon fils parce que je suis sûre que je n'aurai jamais mon passeport français pour partir au Maroc cet été. Vu les dates pour la préfecture en été, c'est chaud. Donc c'est pour ça que je vais lui faire son passeport marocain le plus rapidement possible. Parce que normalement, je peux l'avoir en 2 semaines. Alors, je suis arrivée dans une boulangerie. Par contre, elle a l'air incroyable. Il a l'air d'avoir des trop bonnes choses. Donc, je vais me prendre un petit truc à manger.